Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Sur cette lancée avec deux succès jusque-là d'affilée. L'équipe tentera donc de rester sur le troisième succès d'affilée. Les buts du Brazzaville à la 15e minute, c'est Loupopo qui ouvrait déjà les scores. Voilà dans les gradins, la Nièce après l'ouverture du score. Et à la 18e minute, Mwaku marquera un but mais qui sera malheureusement validé. Ensuite, Ntimbambadou égalisera le but égalisateur pour le FC Saint-Éloi, plutôt pour la formation du Don Bosco. Il y a eu ce pénalty sifflé, Orsou Mwaku transforme le cuir à la, donc en deuxième période. 2-1, l'équipe de Loupopo reprenait l'avance au Marquoir et le but en toute fin de partie, Naï contre son camp, permet donc à Loupopo de... Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.